Après un an d'hibernation dans un garage parisien, ce jet ski va enfin se remettre à l'eau. Ces touristes ne perdent pas de temps pour en profiter. On est arrivé hier soir et là, on... le début des vacances. Mettre les pieds dans l'eau, voir la température. Avant de partir, il faut remettre la machine en route. Là, c'était les derniers ajustements avant le départ. C'est ça, exactement. Un petit peu d'huile. Ça évite de rentrer à la rame. Les week-ends d'été, les cales du port de Plaisance vivent aussi un chassé-croisé. Christophe arrive de Libourne. Il a dépoussiéré son bateau avant la mise à l'eau. Un très grand moment, oui. Oui. Là, je suis en vacances. C'est la première fois qu'on met le bateau à l'eau, là. On a des petits soucis de batterie. Comme on en fait très peu, ça va le faire. On va se balader, on va faire le tour du, bassin, on va y aller à l'île aux oiseaux. On va se promener, avec le copain. Une fois le fusible changé, c'est enfin parti pour une balade en mer. Si ces plaisanciers mettent seuls leurs engins à l'eau, d'autres ont besoin d'un coup de main. Nous avons un service de manutention, donc pour mettre à l'eau les bateaux à l'aide de grues. Donc, puisqu'on peut mettre soi-même son bateau à l'eau avec remorque quand il s'agit d'un petit bateau, mais à partir d'une certaine taille ou d'un voilier, ça se fait par les grues. Hein. Mettre son bateau à l'eau, toute une organisation. Mais les vacances sont aussi faites pour prendre le large.